Bon. Donc. Je vais reprendre d'ici. Ok. C'est sûr, vu comme ça. Hop là. Alors, une salle secrète encore. Une bouteille. Quelques dents. Je pense que je vais améliorer le... Alors, j'ai combien? 17 souvenirs, 8 groins. Ah, je suis toujours au chapitre 1, 9 bouteilles. Ok, 504. Alors. Arme. La souris, hop, je la dégage. Ah, je vais améliorer le moulin. Donc, oui. Voilà. J'améliore le moulin niveau 2. Et voilà. Comme ça, j'aurai une arme. Excuse-moi, un peu plus efficace. Ce sera pour mon plus grand bien. Là, pareil. J'ai l'impression que je joue. Ouah, plein de trucs comme ça. C'est un peu bizarre. Je vois très bien là-bas la. Qu'il y a un chemin qui continue, mais. Ouh. J'ai oublié qu'il y avait un trou. Je vois pas du tout comment y accéder, quoi. Donc, oh. Bah, comme ça. Alors, on va mettre un lapin. Ça va marcher. Wow. Yes. C'est bon. Non, on va attendre encore un coup. Ouh. Y'a quoi par là-bas? C'est bizarre qu'il y ait une plateforme comme ça et que ça mène à rien. Ah si, ça va encore. Si. Ça. Oh là là. Oh là là, bah oui. LOL. Je suis jeté dedans. Mon dieu. Voilà. Ça va remonter les rouages en fait. Voilà. C'est moi qui suis bête. Par contre, tu te foires. Alors là, mon dieu, t'as. Non. Non, c'était une lampe, ça va. J'ai cru que c'était une. J'avais cru voir une dent en or. Non, mais t'es pas sérieux, y'a encore un truc là-bas? Je peux pas. Non. Oh l'idiot. Oh l'idiot. Bon tant pis. Mais du coup je vais tenter. Ah. Tant pis. Ok. Chut, je suis un idiot. Je pensais que la porte restait ouverte. Bon ça va que c'est pas trop dur encore de faire tout ça. Ni trop long. Voilà. Je sais pas si ça a marché du coup. Si. Allez. Mais ouais, j'avais pas vu que la porte se fermait, moi. Je suis bête. Voilà. On dirait que le lapin est devenu chef de. Bah, de la fabrique, de l'usine, quoi. Oh, coucou toi.
ça va plus vite là d'un coup, je trouve. Avec le lapinou. What? Oh non, pas ça. Bon, en fait, avec l'esquive, ça se fait tout seul. Ok. Ah, ah! Je déteste ces larves de... crotte. Ça ouvre la porte. Super. C'est un gros en plus, non? Non, ça va, ça. Hop, ça se fait tout seul. Tiens, crève. Voilà. Pourquoi se compliquer la vie, hein? Franchement, pourquoi? Il passe tout seul, le mec. Oh oh. Wow! Wow! Ok, ok, ok. Là c'est flippant. Il y a trop de monde. Voilà. Oh. Ok. Oh non, il y en a encore un. Oh. Allez, meurs, 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 meurs. Bon, ça va, on voit où il tape quand même les points, ça va. Ah, c'est fini? C'est fini. Eh ben c'était particulier. Certains insectes mangent leurs petits, Alice. Nous avons beaucoup à apprendre. De leur vie ou de leur mort. Bah non. Non. En quoi on doit apprendre de trucs qui... Enfin d'animaux qui mangent leurs enfants. Mais faisons, pratiquons le cannibalisme familial. Oui, le cannibalisme, c'est le futur. T'es taré. Pourquoi je suis venu là? J'en sais rien. Je sais pas du tout. Pour... Et puis alors, c'est des canards. C'est des... Ah non, c'est des dodos. C'est des dodos, ok. Et oui, ça coule de sens. Oh purée, ça a une loupée encore. Moi. Le dodo a disparu, mais en fait, non, il a pas complètement disparu. C'est juste que maintenant, il vit dans le... Dans... Pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. Je sais pas du tout. Il vit dans le pays des merveilles. J'entends pas de... Donc c'est qu'il n'y a pas de cochon. J'ai encore fait une loupée. Hein. Alors... Voilà. Alors ça me fait accéder à quoi? Oui, forcément. Ça bouge pas. Ah, oh, il y a un chrono! J'ai cru entendre un chrono. Bon, après, je me suis planté, c'est pas grave.
Ah, mais c'est pas vrai, à chaque fois je me fais attaquer par les saloperies de l'arbre là. Ah, il y a un souvenir dans la cage là-bas. Je fais comment? Un levier. Bon. Ok. Je continue ma petite phase de plateforme. J'ai eu raison, hein, c'est a priori c'est bien ce qu'il fallait que je fasse. Le canari s'endort dès qu'on couvre sa cage, Alice. Comme par magie, il dort du sommeil du juste. Comme maman et papa, ils dorment comme des loirs. Mais oui, ce sont des animaux. Non, franchement, je sais pas. J'ai pas compris ce qu'elle a voulu dire. Je vais vers la salle des moteurs. Donc ça sent encore le combat. Eh ben, le v'là le lapin. Ton entêtement finira par te blesser. Tu aurais mieux fait d'écouter mes avertissements. Wow. Donc, sans un regret, je m'apprête à te faire bouillir comme une écrevisse géante. Je crois que j'avais pas tort en disant que le lapin était méchant. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, chouette. Non. Ouais, bah t'es... Oui, bah ouais. Forcément, hein. Ça fait... Oh là. Eh ben... Donc là, ça va faire monter le rouage. Voilà. Je pense pas que j'ai loupé quelque chose, hein, entre-temps, non? Ah, je savais qu'il y en avait une à ce coup-ci. Ah ah! Saloperie de limace, limace toute grasse là. Non, faut que je. Non! Il accélère encore le truc! Plus vite, mes petits plumés! Continuez! Super! Purée! Oh, l'enchaînement qui me fait faire le truc là! Hop là! Ouh, c'était joli! Là, ça s'actionne plus. Parfait. Maintenant, je passe par là. Le vide ordure. Ok. Bon. Wow. Attends, comment ça marche? Ok. Ok. Là-bas, il y a un truc, donc il va y avoir à nouveau les 8 cellules. Ça, c'est... Non ! Nya ! Nya ! Wow ! Wow, wow, wow. Faut que je me débarrasse d'abord des mini-cellules parce que... Wow. Ok. Oh purée, pire. Non, il m'en reste une théière. Non! Mais non! Ah! Arrêtez!
Ah, j'ai été touché par quoi? Oh zut! Ah oh! Je vais prendre des dégâts! Non, encore. C'est pas lui qu'il faut que je vise. Ah! Non! Ah! Stop! Y'a un nid de bicellule, mais je sais pas où. Allez. Est-ce que je peux... Non, je peux pas encore. Ah, je veux faire mon hystérie. Tiens, j'ai pas accès aux cellules là, ça m'énerve. C'est bon, il est mort. Ouh. Ouais. Voilà. Il était là. Eh ben. Pas très facile, hein, les combats, du coup. Pour activer mon levier, plus la bombe. Continue à embêter le lapin en fait. N'arrêtez pas, continuez! Aidez-moi! Il est en train de les harceler. Là, c'est une salle secrète. Voilà. Je ramasse tous mes petits trucs. Bon, faut que je m'occupe de toi, lapin. Enfin, lièvre, parce que lapin, c'est l'autre. Oups, ça. Oh non. Boum. Boum. What? What? Ah, je me suis trompé. Tac. Voilà. C'était pourtant pas si compliqué, hein. Voilà. Une fleur, je prends. Un peu de calme avant la tempête, je pense. Ok. Wow, qu'est-ce qui se passe? On dirait que c'est en train de... un tremblement de terre ou un truc dans le genre. Maintenant il va les... Wow.
Tu crois nous arrêter? Ça, c'est la meilleure. Je me retire. Tu ne m'auras pas. Non, ça jamais. Le lapin qui se barre. Comme par hasard. Alors du coup, est-ce que c'est fini avec ça? On dirait, hein. Bon, bah voilà. J'ai récupéré l'endroit où était le lapin. Enfin, le lièvre. Et maintenant, le vide ordure. Ah bah oui, c'était les jambes. Oh là là, je suis bête, c'était les jambes du chapelier. J'en étais même pas rendu compte. Donc j'ai récupéré ses jambes. C'est déjà ça. Le chapelier. La dextérité sera appréciée. Tu seras remercié quand je serai tout reconstruit. Ne dors pas. T'es pas dedans. Des chiffonniers, des chaises longues, des chaises brillantes. Bon. Allez. Ouais, bon. Bah je vais. Oh là, t'es vachement brillante. Bon bah je vais arrêter là, moi je pense, parce que j'ai pas trop mal avancé. J'ai récupéré les jambes du chapelier. Donc la prochaine fois, je pense que ça va être récupérer les bras. Il va falloir que je m'occupe du lièvre, qui a priori a commencé un peu à prendre la grosse tête et a décidé de dégager le chapelier en le décapitant tout simplement. Enfin, en le démembrant, ce qui est vachement sympa. Donc ouais, je vous dis à la prochaine tout le monde pour la suite de ce let's play de Alice Retour au pays de la folie. Et folie, c'est bien le mot. Merci tout le monde. Salut.